Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. Bienvenue à la Daily Audio Bible, la Bible lue pour vous, comme vous le savez maintenant, certainement, chaque jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je m'appelle Hervé, et quant à nous, nous allons nous retrouver dans quelques instants. Mais maintenant, je vais passer le micro à Jean-François, qui nous lira de la Bible Louis II, et continuera ainsi l'histoire fascinante de la vie du roi Salomon. Il va nous lire aussi les chapitres 7 et 8 de la lettre Romains, un passage très important. Attachez vos ceintures donc, et c'est parti. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, verset 12, au chapitre 8, verset 10. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux, en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel, et il dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. » Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pèche contre ton prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer et qu'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent avec toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les as châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison,
Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, il les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi. Viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent Dieu en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours !» Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde durera toujours !» Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui, une grande multitude était venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père,
faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. » Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je vous rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. » Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit les enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath vers Tsoba et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasin en Hamath. Il bâtit Beth-Horon, la haute, et Beth-Horon, la basse, ville forte, ayant des murs, des portes et des barres. Baalath et toutes les villes servant de magasin et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple, qui était resté des Hessiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller était au nombre de 250. Romains, chapitre 7, verset 14, jusqu'au chapitre 8, verset 8. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et ceci afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, et marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la paix et la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne le soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair
ne saurait plaire à Dieu. Psaume 18, versets 1 à 15. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie « Loué soit l'Éternel !» et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Proverbe 19, versets 24 et 25. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot devient sage. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Merci Jean-François pour ta lecture. Et quand le Seigneur apparut à Salomon, après la dédicace du temple, il fit au roi des promesses importantes, y compris celle d'établir son trône royal. Vous le trouverez dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 18. Et de toute évidence, Dieu avait entendu les prières de Salomon et y avait répondu fidèlement, tout comme il avait dit qu'il le ferait. Mais cela n'a pas donné à Salomon la liberté de vivre comme il lui plaisait. Le Seigneur attendait toujours de Salomon qu'il suive ses ordres et l'adore lui seul. Dieu, dans sa fidélité, nous a promis de nous libérer de la loi du péché et de la mort. Cependant, nous ne pouvons vivre comme nous le voulons, parce que finalement notre liberté en Christ nous permet et nous oblige à vivre comme Dieu nous a appelés à vivre, c'est-à-dire en harmonie avec son Esprit Saint. Et permettez-moi de prier. Oui, Père Céleste, nous savons que nous sommes libres, libres de la mort, libres du péché. Et à l'intérieur de cette liberté, nous avons une vie remplie de joie, remplie de bonheur, de paix. Et nous te remercions pour cela. Et notre liberté ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Au contraire, elle nous donne cette possibilité de vivre selon ton plan parfait. Et nous voulons te remercier pour l'Esprit Saint qui nous guide, l'Esprit Saint qui nous dirige. Nous voulons te remercier pour cette parole qui nous montre la voie à suivre. Oui Seigneur, apprends-nous à vivre comme toi tu veux que nous vivions, afin que nous puissions avoir une vie pleine, une vie abondante. Amen. Sur ce, je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast.